travailler, c'était de desservir les tribus éloignées. Mon travail, c'était travailler sur la Poissonville, la distribution du courrier, le paiement des mandats. Tout d'un coup, ben, pour moi, c'est la vie s'est arrêtée d'un coup comme ça, d'un seul coup. Je me posais la question au chef d'agence si j'allais continuer à faire la tournée ou bien on arrête on arrête le service. Parce que pour moi, j'ai plus envie de travailler. Quand j'ai vu les atrocités arriver, donc. Il y a quand même des clients qui viennent à la poste. Mais pour ceux qui sont au centre, par contre, le nord, la route est coupée, coupée parce qu'ils ont creusé carrément un fossé, quoi. Ça s'est repris tout doucement. Ça s'est repris tout doucement et les gens ont poussé un grand ouf. On leur a dit enfin. Et c'est vrai que c'est pas du tout facile de reprendre le travail parce qu'on a eu une coupure, mais c'était une coupure, on dirait on reprend, on se ressuscite quoi. Donc, mais c'est vrai que les gens ont trouvé après tout doucement la vie et les gens aussi, j'ai compris après qu'ils se posaient des questions. Et si la pause continue à fermer? Qu'est-ce qu'on deviendra? Donc, c'était une question que les gens posaient, quoi. Et c'est vrai que la poste a été primordiale à l'époque.